Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu'au bout du monde. Dabo a libéré son peuple. Alléluia. En ton nom, Dabo, toi qui es Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Amen. La grâce de Dabo, Dieu le Père, en communion avec l'amour de son bien-aimé Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, le Christ notre Sauveur, en ce sixième dimanche de Pâques, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dabo, Dieu Tout-Puissant, et devant son bien-aimé Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, je reconnais devant toute la cour céleste et devant tous mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je confesse, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, toute la cour céleste, et vous aussi mes frères, d'intercéder pour moi auprès de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, ainsi qu'auprès de Dabo, Dieu notre Père. Dabo, Dieu Tout-Puissant, fais-nous miséricorde. Daigne-nous pardonner nos péchés, ceux de nos aïeux et de nos progénitures, et conduis-nous à la vie éternelle. Yeah.
prions le Seigneur. D'abord, Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit avec toi, d'abord de tout puissant, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres aux Apôtres. Chapitre 8. Les versets 5 à 8, 14 à 17. En ces jours-là, Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules de même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes que la puissance de Dago accomplissait en lui, ou même les voyaient comme ce que proclament les foules aujourd'hui à l'égard des prêtres de Dago. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent la grâce de Dago du Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent la grâce de Dago du Esprit Saint. De la même manière que vous, dans vos vies, vous la recevez aujourd'hui des mains des prêtres, évêques et cardinaux de Dago. Parole de Dago, Dieu Tout-Puissant. Soyez prêts à tout moment
à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dago plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dago. Il a vaincu la mort dans sa chair et il vit pour toujours, vivifié dans l'esprit. Il s'est constitué par son obéissance absolue, modèle unique pour nous d'abolir ses frères. Parole de Dago, Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean d'Agovie. En ce temps-là, le frère jumeau du pape Christophe XVIII, notre Seigneur et Sauveur Fofo Jésus-Christ disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai Dago, mon Père, votre Père, et il vous donnera son Esprit qui sera pour toujours avec vous. Lui, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis en Dago, mon Père, et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de Dago, mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dago, Dieu Tout-Puissant. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, les Actes des Apôtres nous rapportent les merveilles de Dago lorsque Philippe a décidé de visiter le peuple des Samaritains. Ils ont accueilli la bonne nouvelle et s'en est suivi des guérisons, une grande joie, et ils reçoivent l'Esprit Saint. Ce peuple
qui, du temps de faux Jésus, était considéré comme un peuple païen, un peuple idolâtre. Exactement l'image du Bénin aujourd'hui, qui ayant reçu la bonne nouvelle du salut grâce à l'évangélisation des peuples, a accueilli l'Esprit Saint en votre personne, vous l'êtes abouvi. En réalité, cet Esprit Saint, l'évangile de Jean lui donne une dénomination surprenante. Un autre défenseur. L'Esprit Saint, un autre défenseur. Nous savons que Foufo Jésus est le défenseur des hommes. Mais face à qui? Face aux attaques du démon, aux perversions du monde. Il est le grand prêtre éternel et intercesseur par excellence. Mais défenseur de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui l'ont accepté et reçu dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur, face aux démons et face aux vices du monde. Voici que dans cette ambiance de peur, de persécution des chrétiens, il promet un autre défenseur, qui est l'Esprit Saint. Alors ce défenseur, qui est-il? Il ajoute que le monde ne le connaît pas, que le monde n'est pas capable de l'accueillir parce que le monde ne le connaît pas. Comment le connaître alors? Comment le reconnaître? Dieu, Esprit Saint, s'est manifesté aux hommes à Pentecôte sous forme de langue de feu. Et depuis, nos pères dans la foi ont dit de lui qu'il est Dieu au même titre que le Père et le Fils, qu'il reçoivent même adoration et même gloire, et qu'il procède du Père et du Fils. Le monde était dans l'ignorance de qui était vraiment l'Esprit Saint. Il a fallu 7 ans de grâce où Dieu, Esprit Saint, créateur de l'univers, a pris chair à travers son Saint-Temple parfait pour nous expliquer qui est vraiment l'Esprit Saint. Et Dieu relatait à ce propos qu'au commencement, c'était l'Esprit Saint seul. Et que cet Esprit Saint qui a créé l'univers s'est fabriqué un corps d'apparence humaine à travers lequel il se manifestait à ses créatures. Et c'est de ce corps qu'on appelle Dieu le Père, à travers lequel l'Esprit Saint se manifeste à ses créatures, que fut engendré le Christ son Fils. Donc en réalité, et le Père et le Fils procèdent du Père, de l'Esprit Saint. Si on devait revoir le credo, la profession de foi de l'ancienne Église, c'est une erreur de dire que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. En réalité, le Père et le Fils procèdent de l'Esprit Saint. Mais ce propos sera suffisamment développé, soit à Pentecôte, soit à la fête de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, le Christ, notre Sauveur, Foufo, Jésus, nous promet un autre défenseur. Sous quelle forme viendra-t-il? C'est la question. Sous quelle forme se manifestera-t-il? Je venais de dire tantôt qu'à Pentecôte, les apôtres reçurent la grâce de l'Esprit Saint sous forme de langue de feu. Mais si Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, devait de nouveau se manifester à la lumière de la vérité que Dago nous a apprise, Dieu, Esprit Saint, Dago est Père, Fils et Esprit. C'est de l'Esprit Saint que et le Père et le Fils sortent. Donc, sans l'Esprit Saint, il n'y a ni Dieu Père, ni Dieu Fils. Et cela signifie aussi que le Père et l'Esprit Saint sont confondus. Alors, voici que le Fils est venu, envoyé par son Père, se manifester à nous pour être notre défenseur face à la peur qu'inspire le mal, la peur qu'inspire Belzéboul et le monde. Et la coalition
qui a voulu faire partie de Christ de ce monde? Celle des pharisiens et des scribes. Celle des manigances politiques et des gouverneurs du monde. Et celle de la sorcellerie, de la magie, de la méchanceté qui se sont unis. Cette coalition qui a voulu faire partie de Christ de ce monde. C'est cette même coalition qui est toujours debout. Et c'est de cette coalition-là que les disciples et les apôtres avaient peur. Et c'est dans cette crainte-là que le Christ leur disait, je vous enverrai un autre défenseur. Puisque lui, il quittait ce monde pour rejoindre son Père. Ce défenseur, pour qu'il se manifeste, et qu'il enseigne la vérité dans son entièreté, se ferait-il visible ou invisible? Viendrait-il sous forme d'un arbre, d'un animal? Alors que nous avons dit que Dieu créa l'homme à son image. Et la première fois que le Fils a voulu se manifester, le Christ a voulu se manifester à l'humanité, c'était en Jésus, qui était un être humain, d'apparence humaine. Lorsque le Père voudra venir, quelle apparence prendra-t-il? Puisque tous ceux qui ont accueilli la bonne nouvelle, que le royaume des cieux est proche, acceptent que Dieu, le roi du ciel, viendra bientôt. Sous quelle forme viendra-t-il? C'est sous cette forme-là que nous avons eu la grâce de découvrir. La forme d'un être de chair, d'apparence humaine, parfaite, qui est son temple, mais à travers lequel l'Esprit Saint se manifeste. Et c'est ce que le monde n'a pas pu accueillir parce que le monde n'a jamais connu le Christ et ne l'a jamais accepté. Si le monde avait aimé le Christ et l'avait accepté, alors en voyant l'Esprit Saint qui a agi dans le Christ Jésus de son temps, agit de nouveau dans son Saint-Temple parfait, il aurait accueilli et reçu. À nous d'abouvir, à qui d'avoir de la grâce, de croire la bonne nouvelle, de l'accueillir et d'accueillir l'Esprit Saint. À nous, à qui il a révélé la vérité dans son entièreté, il nous revient à l'image de Philippe, de Jean et de Pierre, d'aller vers ceux dont les yeux ne se sont pas encore ouverts. Et avec quelle précaution? Saint Pierre dit avec sagesse, douceur, afin que, posément, le monde qui était dans l'ignorance, qui était dans l'obscurité, puisse venir à l'admirable lumière que nous a apporté sur terre cet autre défenseur qui nous a été promis par le Christ, c'est-à-dire d'abord Dieu Esprit Saint. Que ce Dieu qui nous a réunis dans son amour vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Levons-nous tous ensemble pour professer notre foi. Je crois en ta gloire, Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de ta gloire humaine, né de la Vierge Marie, où il est devenu vrai homme et vrai Dieu. Il a souffert par les pharisiens, ainsi que ses frères. Et sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Est descendu au royaume des morts. Dieu, il est ressuscité, vrai Dieu. Le troisième jour, avant de mourir, près de tableau, tu es notre Père qui l'a envoyé. Assis auprès du tableau, tu es le Père Tout-Puissant, ce même tableau qui est d'abord revenu dans toute sa gloire, se manifester au petit reste d'Israël, selon la promesse faite à Abraham et renouvelée à son fils à Galilée. D'auprès de lui, il rendra encore son fils, jugé les vivants qui ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi, moi, David, je confesse ma foi en Dieu, Dieu notre Créateur, lui qui est Père, Fils et Esprit, qui a pris chair en parfait son temps à ton main, et en sa précieuse Église en restauration, la nouvelle Jérusalem descendue du ciel. Je crois à la fin du règne de Satan et à la fin de la persécution des vrais adorateurs de Dieu. Je crois en toute la cour céleste descendue avec la cour sur la terre, à la nouvelle vie après les jours de tribulation qui vivent.
baptisés dans le Christ, Jésus, d'abord du Esprit Saint, qui fait en nous sa demeure, nous donne de présenter les besoins de notre monde. Jésus-Christ, qu'il demeure fidèle à la parole de Dieu en annonçant les merveilles et bienfaits de la résurrection, de la prise de chair de l'Esprit Saint, Père donateur de toutes les grâces, écoute nos prières. Que par sa grâce, nous y demeurions afin de pouvoir participer à son œuvre salvatrice. Père, exauce-nous. Les victimes de mauvais traitements, que le Seigneur leur donne le courage et l'espoir. Ensemble, supplions d'Abo. D'Ago, Dieu, Esprit Saint, aide-nous à mettre en pratique tes préceptes et à les laisser prendre racine dans nos âmes. Père, nous t'en prions. D'Ago, Dieu notre Père, qui fait participer à ton amour ceux et celles qui demeurent fidèles à tes commandements, accueille favorablement nos demandes et d'aide les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur.
ensemble d'abord, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute la très sainte Église. Que nos prières montent vers toi d'abord, notre Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. D'abord, en tout temps, mais plus encore en ces jours où nous célébrons la victoire sur la mort de ton Fils, notre Seigneur Sauveur Faux Jésus-Christ. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple est baptisé, le petit reste d'Israël rayonnant de joie, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oh, yeah, yeah. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Et les yeux levés vers d'abord Dieu, son Père, le Père, il rendit grâce. Il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et les yeux levés au ciel à nouveau te rendant grâce, il a béni. Il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude des d'abobis qui seront choisis en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons d'abord le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Et humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore au sang du Christ, nous soyons rassemblés par toi, nous t'abonnons de notre Père en un seul corps. Souviens-toi d'abord, notre Dieu, de ta très sainte Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec ton Saint Vicaire et Frère Jumeau de Frère de Pape Christian XVIII, ses collaborateurs directs les cardinaux, les évêques représentant ton vicaire d'Aïe diocèse ou non, et en particulier ton serviteur Minas Louis Junior, et leurs collaborateurs, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espoir de la résurrection, des âmes de tous les défunts qui ont quitté ce monde, et des âmes de tous les défunts pour lesquels cette messe a été demandée, et de tous les hommes qui ont quitté ce monde et reçoivent dans ta lumière auprès de toi, d'abord Dieu de bonté et de miséricorde. Sur nous tous, d'abord ici présents et d'ailleurs, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Jésus, nous pouvons, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous allons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui, Amen. À toi d'abord, Dieu Tout-Puissant, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. À qui revient tout honneur et toute gloire pour les siècles sans fin. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Dago. Notre Père qui est aux cieux, qui est à prier avec nous, que ton nom soit sanctifié comme tu es aujourd'hui, que tu sois notre roi comme tu es celui des saints du paradis, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déversons-nous tes grâces pour qu'elles se passent pour celles dont tu nous as déjà parlé. Voilà nos frères et le pain quotidien comme tu nous en donnes. Pardonne-leur comme tu nous pardonnes. Délivre-leur de tout mal comme tu nous délivres. Épargne-leur toute tentation comme tu nous en épargnes. Et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Délivre-nous de tout mal d'abord de notre Père. Délivre tous les d'abord ici présents et d'ailleurs des ennemis visibles et invisibles. Délivre toutes sortes de maladies, même des maladies incurables, des envoûtements et des mauvais sorts. Amen. Et par l'aide des assassinats mortels, des pièges de certains saints suppôts, fais la grâce de la santé de l'âme et du corps, donne la paix à notre temps. Donne la peur d'abord, donne la paix à la conscience et bénis-les. Bénis toutes les actions qui t'honorent leur famille. Accorde du travail au chômeur de la promotion à ceux qui en ont besoin. Par ta divine miséricorde, libère de l'aveuglement péché, libère de l'endurcissement du cœur. Et rassure-nous devant les ennemis et nos persécuteurs. En cette vie, nous enfouons en ta puissance et espérons la délivrance et le bonheur que tu promets, ainsi que l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres ce d'hier d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités, ne regarde pas nos tentations et ta loi, nos manques d'amour, le manque de miséricorde ni le manque d'humilité, mais la foi et l'attachement est à ta sainte Église. Pour que ta divine volonté s'accomplisse dans l'utilité de cette paix et conduit la volonté parfaite, toi qui règnes pour les siècles sans fin. Amen. Que la paix de d'abord notre Dieu soit toujours avec vous. Amen. Chers frères et sœurs, dans l'amour et la charité de Christ le Sauveur, donnons-nous la paix. Thank you.
Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dagon, Dieu notre Père, le Christ Sauveur qui enlève le péché du monde. Le sang du Christ unis dans cette vie pour nous en nous la vie éternelle. Amen. Voilà à quoi tu es profond, Jésus-Christ. Qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vient avec toi, d'abord de tout puissant, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, maintenant et pour les siècles sans fin. Le Seigneur est avec vous.
vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix de Christ. Bon dimanche à chacun et à tous. Merci à vous. Et bonne semaine de travail.